tout petit instant. Ça va partir pour 4 fois 10 minutes, 4 cartons de 10 minutes, espérant un très bon départ déjà pour l'équipe nationale algérienne. Inchallah, et oui, c'est parti voilà. Pour cette rencontre avec 5 minutes de retard, ce n'est pas grave. Très bien. Et la première tentative et le premier panier est signé Touati Sadiq. Ça sera le match de Touati Sadiq aujourd'hui. Hein. Normalement, c'est à lui d'assurer surtout les rebonds défensifs pour relancer la machine. La balle est pour le Maroc avec Zuita qui tente de trouver un camarade mieux démarqué. Attention, le shoot à l'intérieur de Abdelrahim Nedjah réussit la réponse du tac au tac. Un bon shoot, un tir ouvert. Notre intention est à l'éclair, hein. C'est de jouer l'attaque à outrance. Faisal Sahraoui qui met sur Touati. Touati sur Hossein Gaham. Attention, il dribble Hossein Gaham. Cherche un camarade. Le shoot à 3 points de Hamza Kashkash. Et ça ne passe pas. Vite récupéré par Al-Masbahi. Il temporise. Il calme le jeu. Il revient faire son coéquipier. Numéro 8 qui tente le shoot à 3 points. Et c'est passé. Ça commence très fort pour l'équipe marocaine. Mustapha Khalifi. Le premier shoot à 3 points réussi de la rencontre. La transition là, elle est mal. On est en retard en transition défensive. Il faut revenir vite et les arrêter. Et jeu intelligent de la part de Mohamed Harat qui oblige Nedjah de commettre la faute. Il obtient Mohamed Harat en même temps la faute et ça sera un panier accordé plus faute. Donc un lancé franc pour Mohamed Harat. Comme on dit nous, les basketteurs, c'est un douane. Et ça ne passe pas. Il n'arrive pas à inscrire ce lancer franc 5-4. Ça débute vraiment très fort des deux côtés. Et les deux équipes se connaissent parfaitement bien. Et la rencontre, il faut le rappeler, est placée sous le signe de la revanche puisque le Maroc nous avait battu. Et il faut l'arrêter là. Très habile le joueur Mustapha Khalfi. Le 7e point pour le Maroc. Je le disais, le Maroc qui nous avait battu en quart de finale de l'Afrobasket 2013. Sahraoui, Hossein Gaham, Mohamed Harat, attention. Mohamed Harat qui se bat comme un lion et il arrive à inscrire ce très joli panier pour réduire à un point d'écart 7-6 en faveur du Maroc. Après 2 minutes de jeu, 3 minutes. Et attention, une belle bataille au niveau de la raquette et la faute de Touati. Ça sera plus physique pour les intérieurs, pour Touati et Harata, en défense et en attaque. Ça sera plus physique. Et le joueur Sofiane Kourdou qui a obligé, vous me disiez tout à l'heure, avant la rencontre, beaucoup de bien de ce joueur, Kourdou, qui évolue à Salah, une des meilleures équipes marocaines. Une autre faute, deux fautes de suite de la part de Touati Sadiq. Ça, c'est pas bon pour le départ. Et l'entraîneur est contraint de le remplacer par Sabri Zambouji. C'est un manque de. C'est le manque de concentration de la part de Touati. Le joueur sur qui on comptait beaucoup. Et le lancer franc, le premier, est réussi par Kourdou. En une minute, il oblige Touati à commettre deux fautes consécutives. Ça, ce n'est pas bien pour l'équipe nationale. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon un joueur efficace. Il arrive à inscrire même ses deux lancers francs. Faisal Sahraoui couvre bien sa balle. Il revient sur Mohamed Harat. Faisal Sahraoui qui revient. Il demande à Hazza Kashkash de le seconder. Hossein Gaham. Ah, l'équipe nationale ne trouve pas de solution pour le moment. Heureusement qu'il y avait Mohamed Harat et le jeu intelligent. Très belle passe de Mohamed Harat en direction de Zambouji qui inscrit son premier panier. Attention, Zambouji qui se bat, 36 ans et toujours présent sur les parquets. Attention, Hossein Gaham qui pénètre. Et la récupération, heureusement, de Mohamed Harat. Pas pour longtemps, la défense marocaine s'y interpose et contre-attaque pour le Maroc. Et Masbahi qui rate le panier. Mohamed Harat, il va face à face avec Nedjah. Efficace Mohamed Harat lui également. 9-8.
Très bien, il est rentré dans le match, Harat. Il est rentré dans le match. Ah là, le duel revêt sa véritable signification dans ce premier carton. Et on a du mal à imaginer qui va gagner aujourd'hui. C'est un beau duel. Espérons que le public remplira la salle progressivement. Pour le moment, il n'y a pas assez de monde. Inch'Allah. Parce que, là, en défense, les Marocains nous obligent à jouer plus loin de la zone réservée. Ça, c'est bon pour les Marocains, c'est pas bon pour nous. On est loin de la raquette. Il faut essayer d'avancer plus. Heureusement qu'il y a des joueurs expérimentés tels que Hossein Gaham pour relancer les attaques. Alors, qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre, sur cette action? Il avertit Zuita et Zembouji. Certainement, Zembouji a reçu les consignes de la part de Filali de bien serrer les boulons concernant les pivots. Éviter de commettre les mêmes fautes que Touati. La balle est marocaine. Attention, avec le numéro 9. Et Hossein Gaham. Il y a une bonne défense des Algériens, une bonne défense. Adel Maksoud. Il va effectuer la remise en jeu. Il joue avec Kourdou. Kourdou qui tente de refaire le coup à Zembouji. Et juste à côté, il y avait Hossein Gaham. Là, il a une bonne interception. Il a aidé Sabré. Il a vu que Kourdou ne regardait pas derrière lui. Il est allé. Sortie de balle, dira monsieur l'arbitre. La balle est toujours marocaine. Le shoot à 3 points. Et c'est dedans. Feu contré. Il faut empêcher le shoot à 3 points. Et c'est signé Adel Maksoud. La balle est pour l'équipe nationale algérienne. Faisal Sahraoui. Il tente le dribble. Il demande les écrans. Hamza Keshkesh. Hamza Keshkesh, lui, également dans une position. Et la faute de Zuita. C'est sa première faute. La première pour lui. Il faut les obliger à fauter. Dans ce genre de rencontre, on opte généralement pour ce genre de solution. Le nombre de fautes. Donc. Sahraoui qui pénètre seul et qui n'arrive pas à enchaîner et inscrire un panier tout fait. Et contre-attaque rapide de la part du Maroc, Al-Masbahi qui met sur le joueur numéro 8 et le shoot à 3 points. Raté heureusement, vite récupéré par Mohamed Harad sur... Et la loupe, attention, on tente la loupe alors qu'on aurait dû. Et c'est un panier puisque Zuita a empêché la balle de pénétrer. Et c'est toujours, c'est Harad, c'est notre scoreur pour le moment. Pour le moment, c'est Mohamed Harad qui est en train de... Et qui est l'équipe nationale qui est passée devant. 13-12 à 5 minutes de la fin du premier carton. Zuita ne va pas franchir le mur placé par les défenseurs algériens. Et faute sur Faisal Sahraoui. C'est une faute, comme on dit là, c'est une bonne faute. Il a arrêté la balle. Ah, il se bat comme un samouraï. Avec sa petite queue de cheval. Faisal Sahraoui qui va... effectuer la remise en jeu, Mohamed Harat. Il demande l'écran. Il avance progressivement sur Zuita avec force. Zembouji, la tentative de shoot à 3 points. C'est dedans. Excellent. Zembouji efficace à l'intérieur de la raquette et également en dehors de la ligne des 3 points. Et ça donne 18-12 pour le moment. Très bien. C'est un bon score pour nous. Il faut savoir le gérer. Un bon shoot de Sabré et une bonne défense là. Une bonne défense. Voilà, on contrôle la raquette, on contrôle le rebond défensif. Et là, voilà, très bien, on joue vite, première intention. Passe. Très bien, c'est pas grave. Mais notre intention, c'est d'aller, c'est de jouer vite. Couvrir. Voilà. Voilà, Faisal Sahraoui, intelligemment, il demande de calmer le jeu, de placer les écrans surtout. Hamza Keshkesh, il se place bien, le shoot à 3 points et c'est raté. Ouais. Il faut qu'on joue les faits de possession. Il faut les faire fatiguer, là, les Marocains. Il faut qu'ils défendent. Et Zuita, heureusement qu'il n'y a pas eu faute en même temps. Il dira plutôt qu'il y avait un passage en passage, force. Oui. L'arbitre était pourtant juste à côté. Mais il a la vu balle que est pour l'équipe nationale algérienne. 16-14. Il y avait une petite erreur tout à l'heure sur le tableau. Donc c'est 16 et non pas 18.
il y a faute pour l'équipe nationale algérienne. Oui, c'est la quatrième faute de l'équipe du Maroc. Il faut utiliser ça aussi. Chaque fois on va commettre la cinquième faute. Hossein Gaham, Mohamed Harat. Excellent Mohamed Harat. Ouais, il est rentré dans le match, il est bon. Ah, il ne tarde pas à jeter cette balle. Il pivote rapidement. Il lâche la balle. Et ça passe. C'est une faute de Sabri. Il faut qu'on essaye d'arrêter la passe de l'extérieur à l'intérieur. Il faut qu'elle passe pas facilement. Il faut l'arrêter la passe. C'est comme on a dit tout à l'heure, le 6. C'est un très bon joueur. Sofiane Kourdou. Kourdou, c'est un très bon joueur. Un des meilleurs joueurs. Il est parmi les meilleurs pivots africains. Mustapha Khalifi qui remet sur le numéro 9, Adel Maksoud. Maksoud tente de trouver un camarade. Et le dunk. Le dunk de Kourdou. Alors qu'il n'y avait personne pour le contrer. Voilà, parce qu'on n'était pas agressif en défense. Il faut qu'on soit agressif, plus physique. Ah, une petite baisse de régime de l'équipe algérienne, notamment en défense. Et il va falloir remettre de l'ordre rapidement. Hossein Gaham, Urzan Boudjia, attention qu'il se fait chipper cette balle. Et attention encore une fois. Adel Maksoud, le Maroc... bien servi par Mustapha Khalfi, qui égalise. Ouais, ouais, les Marocains, ils ont la volonté de jouer rapide. Ils ont cette volonté d'aller vite au cerceau. Leur première intention, c'est le panier facile. Ils cherchent le surnombre offensif. Ils cherchent le 2 contre 1, le 3 contre 2. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on revienne rapidement à notre zone arrière. Et pour le moment, les Marocains ont commis plus de fautes que nous. Ouais. Remercier nos amis techniciens d'avoir arrangé le tableau. Mais nous, il faut qu'on utilise ça, parce qu'on va aller, au lancer franc. Chaque fois, on va aller shooter de lancer. Et là, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il va parler au coach. Non, ils vont parler. Les deux arbitres, l'Ivoirien Guisson Mathurin et le Sénégalais Gaï Babacar. Il a parlé de la faute, là. Il vient d'expliquer à la table quel type de faute il y avait juste avant cet arrêt de jeu. Il a annoncé le 14 ou le 13. En train de régler au niveau de... Finalement, c'est le 13. Le numéro 13 qui a commis la faute, non pas le 14. Mohamed Harat. Très bien. Excellent, excellent Harat. Harat, on lui laisse l'espace, il va carrément au cerceau ici. Apparemment, le shoot réussi à 3 points. Adel Maksoud qui répond et qui permet à son équipe de repasser devant. 21-20 à 2 minutes 26 de la fin du premier quart. La réponse de Hossein Gaham, malheureusement pour lui. Et la balle est marocaine. Attention, on tente une belle passe sur Zouita. Il perd la balle, il la récupère rapidement juste après. Attention, il ne faut pas le laisser shooter surtout. Et ça ne passe pas. Oh là là, mauvaise récupération et mauvais positionnement de nos joueurs. Heureusement que Hossein Gaham, pour le moment... Il faut jouer les fins de procession. Il faut les... Mauvaise passe de la part de Hamza Keshkesh. Il faut faire tourner la balle, comme on dit. Voilà, il faut jouer les fins de procession. Il faut les faire fatiguer. Là, il y a un temps mort demandé de notre coach Filali. Donc, il y aura des espaces vides à l'extérieur. Donc, utilisez ça, fixez. Dès qu'il vient aider, vous sortez sur Khashkhash, sur nos shooters. Vous sortez sur Khashkhash ou vous sortez sur Hamza. Et vous, si vous avez remarqué, à un moment donné, le coach national a laissé la parole au meneur. Apparemment, il s'est vite adapté avec l'équipe nationale. Très, c'est bien. Important, ça fait longtemps qu'on n'avait pas trouvé un excellent meneur. Oui, très bien. Ça c'est très important. Un meneur qui parle, un meneur qui parle sur le terrain, un meneur qui parle sur le banc, c'est très important. Et notre meneur a parlé sur le pic, ça. Il a dit qu'il vient aider, donc il faut ressortir la balle. Et le jeu reprend pour la dernière minute. Attention, le shoot à 3 points, il ne faut pas le laisser, ce joueur. Il a inscrit déjà 3 points, 3 shoots à 3 points consécutifs. Et il s'agit de Adel Maksoud. Et le Maroc qui s'éloigne un petit peu.
24-20, 1 minute 20 de la fin du premier quart. Il va falloir recoller au score côté algérien, mais Mohamed Harrat, encore lui, est bien servi, intelligemment servi par Hossein Gaham. C'est ce qu'a dit le coach. Au moment de l'aide, on passe la balle, on marque des paniers faciles. Mais en défense, on n'y est pas. En défense, on ne sort pas agressif sur le porteur de balle. Il y a des shoots faciles. On les laisse shooter. Et si on va les laisser shooter, ils vont prendre le large au score. Là, c'est très bien. Ce qu'il a fait aussi, une pression. Mais il doit fermer, il doit aider. Voilà, très bien. Voilà, excellent. Oh. Excellente récupération. Le dunk ! C'est ça notre jeu. Excellent. Et qui réveille la salle Harcha et le public qui est ici présent applaudit Mohamed Harrat. Et on va revoir avec plaisir ce match signé Mohamed Harrat. C'est ça notre jeu. C'est le jeu rapide, la transition. Et on marque facile. Il y a un changement. C'est important. Il y avait une petite erreur au niveau de voilà, il fait rentrer Zerouali à la place de Zerouali, à la place de Hossein. Il a fait monter un peu la taille. Zerouali, il tarde à faire démarrer une grande carrière qui a été formée au Wydad de Boufarik. Complet sur tous les plans, même sur le plan mental. Ah, elle est très bon comme joueur, elle est très bon. Un joueur instruit également. Oui. Il joue en poste 3. Il est rapide. Il joue en profondeur. Il pénètre. Il a de bonnes pénétrations. Il gagne les duels 1 contre 1. Il les gagne. Finalement, le score est de 24 partout. Les 30 dernières secondes. Msbahi qui va certainement tenter le shoot à 3 points. Il ne faut pas laisser ce joueur. Et la récupération de Mohamed Harrat. Il fait tout, Mohamed Harrat, aujourd'hui. Là, il faut attaquer. Voilà. Voilà. Voilà, il faut calmer le jeu. Les 20 dernières secondes. Faisal Sahraoui qui demande au coéquipier de le seconder. Mohamed Harrat, il va certainement pénétrer intelligemment. Il met dedans la même technique depuis tout à l'heure. 26-24, les dernières secondes. Voilà, et vous allez écouter le buzzer avec cet avantage espérant de l'équipe nationale algérienne. Et c'est fini le premier carton, 26-24. Très bien, un bon carton là. Là on n'a pas, il ne jouera pas. D'où notre participant. Donc il ne fera pas partie de ce match aujourd'hui. Dommage. Dommage, dommage. Surtout pour seconder Faisal Sahraoui. Et le jeu reprend pour le deuxième carton. Attention, il va falloir faire attention à ce joueur et surtout Kourdou qui se bat. Il perd un petit peu son efficacité. Heureusement que Hamza Keshkesh, il y avait faute. Il y avait faute de la part de Mohamed Zerouali. C'est sa première faute apparemment. Il était en retard, il était en retard. C'est pour ça qu'il a commis la faute. Il est arrivé en retard et le score est de 26-24. Ce n'est pas une grande différence. L'équilibre presque parfait. Et une faute, attention Zambouli, c'est sa deuxième. Parce que c'est la faute de Zerouali, je crois, là, parce qu'il a, il a suivi le joueur, il lui a fait un curl, comme on dit, un curl en basket. Il fallait que Sabri le bump avant. Ou Zerouali lui coupe, lui traverse la trajectoire. Il faut qu'il change de trajectoire. Zambouli a laissé traîner son corps. Voilà. Donc, et c'est la deuxième faute. Et c'est reparti pour le Maroc. On tente le dribble. Attention, on place bien le joueur Zouita. Tentative plutôt. Le shoot à l'intérieur de la distance et c'est raté. Voilà Touati qui va rentrer hein, à la place de Sabri normalement. Ah, il est obligé de faire son entrée. Mais on se bat en défense. On se bat en défense. C'est bien, ça c'est bien. Voir notre équipe se battre en défense. Nous en basket, on dit que le basket c'est un jeu d'attaque, c'est le spectacle. Mais pour gagner un match, il faut que tu défends bien. Il faut assurer la défense. Ouais. Et toi, tu sais dire, avait mal débuté sa rencontre. Un excès d'excitation. Là, c'est facile. Un pic, c'est facile. Il n'y a pas une bonne défense sur les pics. Et les Marocains qui remettent les pendules à l'heure. Faisal Sahraoui. Sahraoui cherche Zerouali. Il trouve rapidement. Zerouali va tenter le dribble. Il demande l'écran. Attention, l'écran n'est pas bien placé pour le moment. Il change sur intelligemment. Il rate. Il voulait réagir rapidement. Mohamed Harrat. Une bonne intention. Il n'a pas bien intercepté la balle. Il pensait plutôt
et Mohamed Hached, chevronné de cette équipe qui a joué aux États-Unis. Il a joué également en France. Et là, il est au Qatar. Beaucoup d'expérience pour ce joueur et beaucoup de respect de la part des joueurs algériens. Le shoot à 3 points. Attention, il ne faut pas le laisser. Et c'est vite, rapidement joué. Sahraoui sur Kashkash. Sahraoui de nouveau. Il va pénétrer, Sahraoui. Le shoot à 3 points. Zarwali, ça ne passe pas. Attention. Les pointeurs. Et on se bat. Mohamed Harat qui se bat pour récupérer cette balle avec Zuita. Changement de Zuita là. Il a fait rentrer le numéro 5. Il lui laisse reposer un peu. Parce qu'il est, il a baissé de rythme, Zuita. Il a baissé de rythme. Et même notre coach a fait sortir Harat pour qu'il récupère un peu. Là, faute offensive. Il a sifflé une faute offensive. Du 14. Du Touhami. Il vient tout juste de rentrer. Oui. Ça, c'est mauvais. En rentrant comme une faute, c'est mauvais. C'est pas bon pour le moral. Bien sûr, il faut qu'on soit concentré plus que ça. Et la faute est rapidement jouée. La remise en jeu. Mohamed Hached, poste de meneur. Excellent techniquement. On va le voir à l'œuvre. Il tente le dribble, il pénètre. Il a failli perdre cette balle. C'est toujours le numéro 9 qui est bien servi, Adel Maksoud. Le numéro 4, Reda Harras. Faute offensif. Voilà, du numéro 4. Il l'a poussé avec le bras. Mais là, avant, il y avait une bonne défense contre le pic, entre Sedek et Sahraoui. Une bonne défense. Une bonne défense, une bonne entente entre les deux. Oui. Sahraoui Zarwali. Sahraoui Zarwali. Cette fois-ci sur Touati. Et le changement finalement. Un shoot raté. Yanis Mousfaï apparemment va jouer. Il va remplacer certainement Sahraoui et c'est fait rapidement. Ah, on avait peur qu'il ne participe pas aujourd'hui. Il a le genou bondé. Parce qu'on n'a pas une deuxième arrière, c'est Yanis Mostefa qui est en numéro, qui remplace Sahraoui en poste 1. Certainement pour laisser reposer un petit peu Faisal Sahraoui. Il a demandé à Mostefaï. Très bonne défense là aussi. De se surpasser et surtout d'oublier la douleur. Ouais. Parce que sur la feuille de match, il est inscrit comme en étant absent. Zarwali, attention Touhami, Razoul. Et il perd la balle, Touhami Razoul. Ce n'est pas à lui de se placer dans cet endroit. Et le dunk. Et ça donne un très joli dunk de la part du joueur marocain, Mohamed Choua. Là, il va le changer le coach, il va le faire sortir parce que ça a une faute de mauvaise passe. Lui, il doit être près d'une autre faute offensive. Voilà. Il n'est pas rentré dans le match. Dommage, dommage pour Touhami. Là, il va faire rentrer Ala Addin Makhdari. C'est un joueur de Dalbeda. Il a fait un bref passage par Skikda, par le PTT, dans le temps. Espérant qu'il va rentrer dans le match. C'est un très bon joueur que j'estime bien. Et techniquement, il est bon. La défunte équipe de la SPTT, oui. Malheureusement, a disparu de la circulation. Alors que c'est une grande école. Et elle avait réussi, souvenez-vous, en 2009, à damer le pion au grand GS pétrolier avec un entraîneur, un grand formateur, Aleda Sayak. Notre ami, qu'on le salue. Avec le shoot, le fameux shoot de Faisal Belkhoudja. Il est aussi dans les trois dernières secondes, bien servi par Amin Baramdan. Oui, je me souviens très bien. Notre cher Amin. Il y avait Ali Belhoussine. Et c'était à Hydra. Ouais. On était présents ce jour-là. C'était vraiment un bon match. Le GSP avait dominé, souvenez-vous, toute la saison. Et il s'est fait surprendre. Il s'est fait surprendre. Les trois dernières secondes par Faisal Belkhoudja. Et là, Faisal Belkhoudja, il revient. Je l'ai vu avec Constantine, des entraînements. Il revient. Qu'il soit absent en équipe dommage, nationale. Dommage. Il aurait donné beaucoup de solutions. Oui, parce que c'est un type qui joue les trois postes. 1, 2 et 3. On a besoin de lui. Un joueur équilibré. Voilà, le jeu, c'est ça. Il faut jouer en profondeur. Il faut faire la passe, jouer en mouvement. Il faut les faire fatiguer en défense. C'est ça. Il faut
faut pas s'énerver surtout. Il n'y a pas une grande différence au niveau du score, 29 pour le Maroc, 26 là on est bien, là on est bien, le score il est bien. 6 minutes de la pause. C'est pour ça que... En tout cas, si vous vous le souvenez, Mokhtar, c'est... Voilà. Et le dunk. Très bien. Très belle passe. On est plus concentré là. C'était embusqué derrière le défenseur marocain, Touati Sidik. Il sort au bon timing pour smatcher cette balle. Ça donnera 29-28. Un point d'écart pour l'équipe marocaine. Une bonne défense de pique là, Ala et Hamza. On n'arrive pas à se détacher au score, la récupération, notre défenseur qui se bat, qui récupère cette balle. Très bien. Une faute de la part du joueur Kourdou. Et l'arbitre était là. Très attention, bien. Faut pas s'énerver. On fait rentrer Hamza Hossein à la place de Hamza pour qu'il se repose un peu. Voilà, bonne gestion pour le moment du staff technique. Oui, oui. Qui gère bien la rencontre. Très bien même. Beaucoup d'expérience chez le duo Toufir Chebani et Salah Din Filali et Toufir Chebani dans l'ordre. Très bien, très bien, très bien. Excellent, très bien. Excellent, toi, Sadir. Et là, il y a le géant marocain qui s'apprête à faire son entrée. Ah oui, il va. Darahim Nedjah. Costaud, lui également. Voilà, il va faire sortir Kourdo. Il se repose un peu là. Ce 15 là il est plus physique, il va jouer plus physique. Alors il va soit ce n'est plus la même équipe marocaine qui je parle en termes de qualité qui a joué l'Afro-Basque 2013, ou soit c'est une équipe qui cache son jeu pour les deux cartons qui vont venir. Apparemment c'est la même ossature, parce qu'on se souvient, même la Coupe d'Afrique, même les qualifications ici à Stawali. Non, je parle en termes de qualité, c'est les mêmes joueurs, c'est la stabilité. C'est voilà, clair. La stabilité est liée. La qualité est liée. Mais comme vous dites, Mokhtar, je ne sais pas, est-ce qu'ils cachent leur jeu, et on va voir. Ils ne veulent pas monter d'intensité, ou ils sont crispés un peu, ils sont... L'égalité parfaite pour le moment, 30 partout. Voilà. Excellent, excellent, notre joueur Hossein Gaham, qui permet à notre équipe nationale de repasser devant, 32 points à 30. Il ne reste que 4 minutes à jouer dans ce deuxième carton. Et le joueur qui pénètre, qui se fait attraper par Hossein Gaham. Jeu rapide, il ne faut pas perdre cette balle. Anis Mousfaï, la tentative du shoot à 3 points. Et ça ne passe pas. Touati se fait fauter par Nedjah. Que lancer franc pour Touati. Il va faire un changement, c'est Mousfaï qui va rentrer. Non, il a demandé un temps mort. Avant le changement. Ouais. Et en défense, ils ont baissé de rythme, les Marocains. C'est un travail de base, là. Hossein est toujours... Hossein, ça fait des années qu'il est régulier, comme ça. C'est un bosseur. Il ne rechigne pas. Toujours prêt à l'effort. Ah oui. Hossein Gaham. Toujours apte à représenter les couleurs nationales. Chaque rendez-vous. Depuis au moins 10 ans. 10 années déjà. Voilà. Il se bat, voilà. Touati. Très bien. Excellent, Touati. Très bien. Excellent. Bon système là. De touche. Ah, il a effacé carrément le mauvais jeu avec lequel il avait démarré la rencontre. Tout à l'heure, les bêtises commises. Nedjah, il se bat. Ouais, c'est physique là. Et il arrive à inscrire ce point important pour son équipe, le 32e. Toujours 2 points de différence en faveur de l'équipe algérienne. À 4 minutes de la pause citron, Hossein Gaham dribble. On a encore du temps, on a encore du temps. Espace, mauvaise entente. On a encore du temps, il faut jouer les 20 processions, il faut faire tourner la balle. Il faut la balle qu'elle vive là. Et on passe pas en dribble. Parce que si on dribble, la défense se remet en place, ça sera difficile encore. Mohamed Hachette. Il faut contrer ce joueur, il perd la balle. Très bien, il faut les obliger à faire des fautes comme ça. Et c'est qui l'a obligé à faire une faute? C'est Yanis Mostefaï. C'est Yanis Mostefaï, secondé par Hossein Gaham également. Mostefaï, il est également efficace même quand il est blessé. Tahdari. Attention. Doit-il se dire sur Hossein Gaham. Mostefaï, allez. Tentative de shoot peut-être.
pénétrer. Non, pénètre. Très bien. Oh, excellent. Excellent. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait, Yanis Mustafi? Ah, il sort carrément le grand jeu avec son bras gauche. C'est par des actions pareilles qu'on peut gagner le match. Il faut il a carrément oublié sa douleur là. Ah oui, bien sûr, il n'a plus de douleur. Il y a un marché, voilà, on oblige les Marocains, ça y est, ça, c'est le mental, on oblige les Marocains à faire des fautes, des marchés, des mauvaises passes. Ah, le très beau panier signé Yanis Mustafi. On avait vraiment besoin d'une doublure. Et là, vous avez remarqué, Filali l'a laissé jouer carrément. Il est rentré dans le match. Question de laisser reposer également Faisal Sahraoui. On joue bien, on fait tourner la balle. C'est le plus important. C'est le plus important. Attention, voilà, Touati va se placer. Il joue très bien, voilà. Ah, ça fait rien, c'est pas grave. Il faut qu'on accepte ça. Récupération rapidement de Zerouali. Allez, on se replace en défense, s'il vous plaît. Un tir ouvert. Non. Voilà. Bonne défense de Zerouali. Il a bien suivi. Voilà. Une bonne rotation. Les joueurs marocains mécontents. Ils sont énervés les Marocains. Le public qui donne de la voix ici à la salle Harsha. Il faut encourager. Zerouali, excellent dribble également. Voilà, Touati. Très bien. Voilà, en deux temps, pour le seconder. On a pris le dessus sur les Marocains maintenant. Et l'équipe nationale qui se détache au score. 6 points de différence, 38-32 à 2 minutes de la pause. Il faut maintenir cette avance, c'est important. Voilà, il faut les arrêter en défense. Surtout, ils arrêtent en défense, ça va jouer sur le moral. Là. Et nous, le shoot. Voilà. Une bonne défense, voilà. Joue rapide, voilà. Voilà, Zerouali. Plus la faute. Allez, vas-y, mon gars. Il se fait contrer. Très bien. Par Adja, heureusement récupéré par. Équipier. Très bien, une faute de Zouita. Allez, il oblige Zouita à commettre la faute. C'est sa deuxième normalement. Oui, c'est sa deuxième. La deuxième faute de deuxième Zouita. Deuxième de Zouita, voilà. Alors que de notre côté, quatre joueurs ont commis deux fautes. Ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais ça prouve qu'on défend un peu. Voilà, qu'on défend. Touati. Pas de shoot. On gère les possessions. Zerouali couvre bien sa balle. L'écran placé par Touati. Une trappe. Attention, il ne faut pas se renfermer. Oh, sur Touati encore. Fort. Et il y avait une petite poussette dans le dos. Notre coach veut que ce bonnet soit accordé. Non, la balle, elle montait. Mais là, de lancer franc. Il y aura de lancer franc. De lancer franc pour Mohamed Touati. Temps mort des Marocains. Temps mort pour les Marocains, ouais. Normal. Leur équipe prend de l'eau de partout. Ouais. Et c'est tout bénef pour notre équipe nationale. Jouer rapidement première. Sinon, arrêter, fixer, faire sortir la balle. C'est des consignes correctes, mais un grand problème en défense pour les Marocains. C'est bon pour Touati. 39e point. Il rate le deuxième. Un bon rebond. Récupéré par Zerouali. Zerouali, il a. Ah, heureusement qu'il y avait. On a encore le temps. On fait tourner la balle. Il ne faut pas se précipiter. Très bien, Yanis. Très bien, Yanis. Une faute, voilà, de lancer. Voilà, il oblige le numéro 8, Mustafa Khalfi, de commettre une faute. C'est sa deuxième aussi. C'est sa deuxième. C'est bon pour nous. Ils seront un peu handicapés. Très bien. C'est bon pour nous. Hein. Harat, il est sur le banc et on arrive à marquer. Hein. Pour le moment, c'est Harat et le rebond. Et Sahraoui également. Oui, et Sahraoui aussi, oui. Mais Yanis est en train de faire du bon boulot là. Il est calme, il est serein, il travaille. Il défend bien aussi. Je suis en train de me demander, est-ce que le fait d'avoir mis sur la feuille de match Yanis Mustafi comme absent,
Qu'est-ce qui se passe là, mais ouais. C'était pas une tactique de la part de. Un panier de cordeau là, mais difficile. Mais il faut que le Maroc. Voilà, quand il marque les Marocains, il faut qu'il marque difficilement. Pour le moment, la défense et l'attaque fonctionnent bien côté algérien. Les dernières secondes, 50 dernières secondes. Excellent écran placé par Saferia. Il n'y avait pas d'enchaînement de la part de Lakhdari. Il est plus physique ce mec-là. Nedjah, Mesbahi, il revient sur Moksoud, Khalfi, Mustafa Khalfi, le Tilita, Nedjah qui se bat, bonne défense sur Kourdou et la bonne défense. 24. Et les 24 secondes. Une bonne défense. Très bonne défense pour les Algériens. Là, qu'est-ce qu'il y a comme. La balle, elle est pour nous. Ah, Filali demande carrément au Silgaham de gérer le temps. Il est sur son meneur, Enis Mostfai. Il couvre bien cette balle. Il ressort de l'autre côté. Mostfai. Attention à l'écran de Lakhdari. Il nous reste du temps. De mieux démarquer, il faut gérer le temps. Très bien. Ah, voilà. Il est beau quand il joue, ce joueur. Défense il est excellent. Haute. Ouais. Défense haute, défense haute. Et ça se termine sur une belle avance pour les. Et c'est reparti pour le troisième carton. Espérons plus spectaculaire. Voilà. Et ça commence par un shoot à trois points signé Mustafa Khalfi. Dommage, une faute de Touati là. Aïe, 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 la troisième faute. La troisième faute pour Touati, ça c'est pas bon. C'est pas le début bon du tout. Troisième carton. Et Sabri qui va rentrer. Sabri Zembouji qui va certainement le remplacer pour ce troisième carton. On en a vraiment besoin de ce joueur. Et Khalfi qui inscrit le premier panier de ce troisième carton, le 36e pour son équipe, le Maroc. Attention, et Touati qui glisse, ça sera à marcher. Heureusement, on n'a pas eu. Très bien, il n'y a pas de cassure là. Il n'y a pas eu d'élongation ou contracture sur ce geste, ce faux geste, cette glissade. Là, il faut qu'on continue comme on a joué en deuxième, surtout en deuxième carton. Il faut jouer les fins de possession et bien défendre là. C'est de. Khalfi qui sert. C'est une mauvaise défense, une mauvaise rotation. Qui était esselé. Il n'y a pas de couverture, il n'y a pas d'aide. Et en deux actions successives, voilà, c'est 4 le points. Maroc inscrit 4 points et réduit à 4 points également la différence. Mohamed Harad qui est obligé de reculer. Très bien, une faute. Faute de Nedjah, lui également, c'est sa troisième. Il ne veut pas sortir. Il avait écarté la jambe, on le revoit. Et le bras également. Pour empêcher Mohamed Harat de passer Hossein Gaham. Qui va effectuer cette remise. Temporise. L'arbitre relance le jeu. Et c'est reparti. Yanis Mostfai. Hossein Gaham. Mohamed Harat au poste de pivot. Hossein Gaham de nouveau. Zembouji. Attention, la balle a failli s'en aller. Et faute sur Yanis Mostfai, l'arbitre, le second arbitre, le Tunisien, Tarek Beltaifa, qui était juste à côté pour. Si vous avez remarqué, Mokhtar, là, il y avait une défense à deux pour Harat, pour le stopper. Là, il y a l'aide de Lilila qui est descendue pour le stopper. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça va être comme ça. De bloquer Harat. C'est la troisième faute. Pour le joueur marocain, celui qui vient de commettre la faute, Mohamed Harat. Il va la jouer. Tente d'avancer avec son corps et il perd cette balle. Attention. Il l'a eu. Sortie de balle. Sortie de balle et. Voilà, il ne reste que 8 secondes pour la fin de possession. Mais il faut faire tourner la balle. Il faut bien la jouer celle-là. Il faut bien la jouer. 8 secondes, il ne reste pas beaucoup de temps, mais il faut bien la jouer. Il faut bien placer les pointeurs. Mostfai qui va tenter certainement le shoot. Voilà, il faut shooter.
Et c'est, ça a failli voilà, passer. Très bien, voilà. On récupère rapidement. Et Mohamed Harat voulait inscrire en même temps suite à cette faute commise par le défenseur marocain. C'est le numéro 5. À savoir Mohamed Choua. C'est sa première faute. Longiline également. Il les connaît très bien, Mohamed Harat, puisqu'il a l'habitude de les affronter dans le championnat marocain. Il rate son premier lancer franc. On n'est pas bien rentré dans le match là. Il faut profiter de ces lancers francs. Au décompte final, ça peut nous servir. Et heureusement, il marque le deuxième, le 43e point pour l'Algérie. Et c'est le premier après 2 minutes de jeu. Après la reprise, la balle est marocaine. Choua qui met sur Al-Masbahi, le shoot à 3 points. Et c'est dedans. Faire attention au shooter, il ne faut pas le laisser shooter à l'aise. Hossein Gaham, il dribble Masbahi. Attention, il se renferme, il revient sur Zarwali, il pivote sur lui-même, il se fait fauter. Ah, l'écart est réduit là avec ce shoot réussi à 3 points d'Al Masbahi. Si on les laisse shooter, surtout ça, c'est Masbahi, les compagnies, si on les laisse shooter à l'aise, ils vont les mettre. Il y a un changement. C'est Faisal Sahraoui qui revient sur le parquet, remplace Hossein Gaham. Voilà, on joue avec deux arrières comme les Marocains. Voilà. Là, les Marocains qui étaient menés par 8 points à la pause sont en train de rattraper. Heureusement qu'il y avait ces deux lancers francs réussis de la part de Mohamed Zarwali. Hached. Avec Maxoud Hached, toujours lui. Beaucoup d'expérience, c'est ce joueur, Maxoud. Attention, la faute, c'est le passage en force. Faute offensive. Voilà, c'est une faute offensive. C'est bien. Les Marocains ne sont pas contents. Mais c'est une faute offensive. Et c'était Mohamed Harat intelligemment qui l'a obligé à commettre cette faute. C'est sa deuxième faute. 45-41. Et un grand suspense ici à la salle Hacha. Qui va gagner aujourd'hui? Il reste beaucoup de temps. Sahraoui met sur Mohamed Harat. Aïe, 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 il glisse la deuxième fois. Il a du mal à revenir. Voilà le jeu rapide. Il est marqué, il est mis. Ah, c'est un pro. Excellent, Hached. C'est un pro. Il est habile des deux mains. Il a une bonne vision aussi. Une bonne lecture du jeu. Sans être inquiété par Zembouji à la défense. Et la balle est algérienne pour le moment. Mustfai. Il demande l'écran. Il met sur Zembouji. Et c'est dedans. Excellent, Zembouji. Et ça va donner certainement du peps au moral. Oui, c'est important de mettre ses shoots. Les joueurs algériens. Hached, encore lui. Il faut l'arrêter, ce Hached. Il faut l'arrêter. Il ne faut pas le sous-estimer et dire qu'il est âgé. Allez, Zembouji. Il aurait dû avancer, Zembouji. Oh, excellent. Excellent. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait, le jeune Zarwali? Une très belle prouesse technique. Attention, il faut bien récupérer cette balle. Voilà, les Algériens qui s'en sortent bien. Voilà, un dunk. Et le dunk peut-être. Attention, il faut jouer simplement. Simplement, Mohamed Harat. Il faut les assurer, ces paniers là. Il faut les assurer. Le Marocain, le joueur marocain l'avait empêché de prendre assez d'élan. Voilà, c'est ça. Pour se matcher. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'a pas pu dunker. Mais de préférence, il aurait mieux assuré nos deux points. Ça, c'est important. Al-Masbahi. Sur Choua. Masbahi, toujours lui. Hachoud. Hachoud, le shoot à 3 points. Et ça ne passe pas. Une belle bataille à l'intérieur de la raquette. Les Marocains récupèrent cette balle. Al-Masbahi, peut-être, pour un shoot à 3 points. Beaucoup de shooters dans cette équipe marocaine. Le numéro 9, Adel Maksoud, qui oblige Zembouji. C'est sa troisième également. Oui. Hop, c'est le moment. Eh bien sûr, parce que là, il était loin. C'était pas du tout la peine de faire cette faute. Et c'est le moment d'éviter de faire des fautes, voilà, surtout. Le troisième carton, généralement, c'est le tournant du match. Hached qui demande la balle.
Je crois qu'il faut. Ah, il joue intelligemment El Masbahi, le shoot à 3 points et ça passe également du côté d'El Masbahi. Là, je crois qu'il faut. Du tac au tac, oui, 46e oui. point pour le Maroc, 3 points de différence. Et le prochain changement. C'est Hamdani. Hamdani qui n'a pas. Hamdini qui n'a pas encore joué. Voilà. Et Mohamed Harat qui répond. Excellent, Harat. Voilà, ah, et la faute, et la faute, oh, et la bonne faute, on dira. Intentionnel. Et attention, faute attentionnelle. Voilà, il shoot, il a la possession de la balle. Alors, deux lancers francs, il a jugé Mustafaï. Sa quatrième faute. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'était normalement le changement, c'était Yanis avant sa quatrième faute. Parce qu'il a vu que Hachad il a pris le dessus sur Yanis en attaque, donc il a fait rentrer. C'est d'aller pour l'arrêter, physiquement pour l'arrêter. Et sur qui il commet une faute? Sur quelqu'un, sur monsieur 100% au niveau des lancers francs. Voilà, c'est ça. Ouais, espérons qu'ils vont rater. Inch'Allah. Sportivement, bien sûr. Ah, bien sûr, ne rate pas El Masbahi. On inscrit le 47e point. Le deuxième, et il n'arrive pas à le mettre dedans. Ils ont la possession. Ah, ça, c'est pour le troisième carton. C'est un tout autre visage que nous présente le Maroc pour le moment. Par rapport au premier carton. Une mauvaise passe. Mauvaise passe. Mauvaise passe de Maksoud sur Zuita. Faisal Sahraoui. Et on va voir que va donner l'entrée de Hamdini. Notre coach a fait monter un peu la taille. Et c'est déjà bien de ne pas avoir fait jouer Hamdini en premier. Il va pouvoir préserver. C'est un atout majeur. Rapidement joué de la part de Harat. Le shoot à 3 points. Allez, ça ne passe pas. Oh. Ouais. C'est la deuxième fois qu'il le fait aujourd'hui. Il est sur le nuage. Il est sur le nuage. Il a la baraka. On revoit ça. Il laisse sa main et il la claque. 53-47. Zuita, il se bat. Et notre défense également. On met sur Zambouji. On va chercher rapidement le meneur. Hamdini. On a des shoots ouverts. On a des shoots ouverts. Avec force. Faut pas se... Très bien. Voilà. Excellent. Voilà. Excellent Hamdini. Excellent. Et le beau Algérien qui explose suite à ces deux actions. La faute de... Un joueur d'avenir, Hamdini. Il y a une faute. Et un bon changement qui a fait le coach. Hein. Ça a renversé un peu le... Harat, c'est sa première faute. C'est la première faute de Mohamed Harat. Efficace sur tous les plans pour le moment. Le coach a bien fait de faire rentrer, de faire monter un peu la taille. Parce que physiquement, sur les contacts, les Marocains, ils étaient plus forts que nous. Et l'efficacité de Maksoud au shoot, au lancer franc. Et le regard de Faisal Sahraoui, juste derrière, en arrière-plan. Bon. Et le rebond assuré par rebond offensif de Zuita. Et on est à 5 points de différence. Zalouali qui attend l'arrivée de son meneur. Il maintient le dribble. Il demande un pic. Sahraoui, il couvre bien sa balle. Mohamed Harat. Et là, c'est normalement. C'est... Très bien. Ah, excellent. Tout seul, il y va. Et il marque le 57e point pour l'équipe nationale algérienne. Hached sur Kerdou. Il était seul. Et Zambouji, il est à sa quatrième faute. Non, c'est la cinquième. Non, je crois que c'est la faute de Zerouali là. C'est la faute de Zerouali. Heureusement c'est la faute de Zerouali, ce n'est pas Zambouji. Non. Heureusement que c'est pas. Mais il fallait l'arrêter avant qu'il rentre, il fallait le stopper. Kerdou pour les deux lancers francs. Suite à cette faute. Une bonne adresse également pour ce joueur. Oui, oui.
C'est important ça, le lancer franc marqué, c'est important. Voilà, 52e point pour le Maroc. Hached l'expérimenté qui quitte le parquet. Il se fait remplacer par le numéro 8, Mustapha Khalfi. Et la remise en jeu effectuée par le duo Faisal Sahraoui et Hamdini. Hamdini cherche un camarade mieux démarqué. Et Mohamed Harat voilà, prend deux, cette balle. Voilà. Hamdini, attention. Heureusement qu'il y avait Zambouji. Il voulait éviter le retour en zone. Khalfi, le shoot à 3 points. Et ça ne passe pas. Attention, la récupération de Kourdou. Il est présent. Il faut le surveiller. Kourdou, il est présent sous la raquette. Hein. Et Kourdou qui réduit à 3 points de différence. Ah, Faisal Sahraoui, encore lui, qui se réveille au bon moment. C'est le second visage de ce joueur. Excellente gestion, malgré ses 35 ans. Attention au shoot, Zouita qui pénètre en force. Il y avait une faute apparemment. Oui, de Sidali, normalement. De Hamdini. Et le changement, c'est Zambouji qui va céder sa place apparemment à Touati Sadiq. C'est sa quatrième faute. Et là, le coach marocain a fait sortir Hached parce qu'il ne défendait pas sur Sahraoui. Alors il a fait rentrer le numéro 8 pour qu'il défende bien. Et là, il a appelé pour lui dire de bien cadrer, de ne laisser pas rentrer, stopper ses pénétrations. Deux lancers francs pour Zouita. C'est la cinquième faute d'équipe, c'est bien cela? Normalement oui. C'est pour ça que Zouita chute deux lancers francs et nous réussit à les mettre dedans pour inscrire le 56e point pour le Maroc. Zalouali qui passe en 1. Il revient sur Faisal Sahraoui. Attention, il ne faut pas perdre cette balle. Il faut bien protéger. Touati. Le rusé Al-Masbahi avec toute son expérience qui met la main pour heureusement que la balle est sortie en notre faveur. Il nous reste 7 secondes de possession. Sahraoui rapidement. Hamdini qui cherche Sahraoui. Il faut y aller. Il faut tenter le coup. Il faut oser en basketball. Et ça donne ça. 61 points à 56 pour l'Algérie. Le Maroc qui perd cette balle. Et heureusement pour nous, à 2,27 de la fin du troisième carton. Une bonne défense de Hamdini. Il a marqué les deux points. Il a défendu sur Zouita. Un retour rapide de Hamdini. Il faut qu'on gère là. Faisal Sahraoui. Attention, il ne faut pas se enfermer. Mohamed Harat. Il joue calmement, Mohamed Harat. Il est excellent au dribble également. Mauvaise passe, malheureusement. Le Masbahi. Pour faire faute avant. Pénètre seul. Faute avant. Il a failli obtenir en même temps la faute. Il ne faut pas que les Marocains nous marquent ces paniers faciles là, c'est sur jeu rapide. Bah, certainement, le coach national a demandé aux joueurs de bien gérer sur le plan mental la totalité de la rencontre. Attention les fautes, Hamdini tente le shoot et ça ne passe pas, il y avait faute voilà. Sur Touati Sadiq par Kourdou. Et on a aussi, même les Marocains, on a les lancers francs, ils ont plus de 4 fautes d'équipe. Ah, Touati espérant qu'il va en profiter pour remplir la tirelire. Et c'est passé avec les encouragements du public algérien. Nous, on gère mal nos possessions en attaque, on les gère mal. On a l'impression que les deux équipes laissent tout pour le quatrième carton. Ah oui. Et récupéré par Zouita. Khalfi à la distribution. Adel Maksoud. Maksoud tout à l'heure qui nous avait gratifié par de très jolis shoots à 3 points réussis. Et Kourdou qui remporte encore une fois le duel face à Touati Sadiq. Lui qui ne voulait pas
commettre une faute. Zerouali, Touati Seddik, attention, faut pas perdre cette balle. La tentative, la fin de shoot. Il y a eu faute là. Il y avait faute de Zuita. Zuita. C'est sa troisième. Il a été mis dans le vent par Zerouali Mohamed. C'est sa quatrième. C'est la quatrième, je pense, de Faisal Zuita, la troisième. Je vois que sur la table de marque, on a omis de la quatrième faute. C'est la quatrième pour Zuita. Voilà. On va tout de suite rectifier le. Il va faire un changement, le coach. Il va faire un changement. Kourdou. Ah. Bon attaque. Voilà. En plus que Touati est obligé de ne pas commettre sa cinquième faute. On a vraiment besoin de lui dans le quatrième carton. 62-63. Un point de différence. Aïe, aïe, aïe. Perte de balle. L'occasion de repasser devant pour le Maroc. Et la faute de qui? De Zerouali. Zerouali. 6. Et on sera. Ça, c'est la faute de Hamdini. C'est la faute de Hamdini. Le 6. Le 6. Sa première. Heureusement qu'on a baissé de rythme. On a baissé de rythme en attaque. Il y a le rythme là, qui a baissé. Là, on tarde voilà, à provoquer le temps mort. Et on tarde à provoquer le temps mort. Mais je crois qu'on a besoin de Hosingham maintenant. Bon, mais c'est, il reste 24 secondes. Il fallait faire rentrer soit Hosingham, soit remplacer aussi. Il faut avoir de bons défenseurs. Parce qu'on menait au score. Il manque au fil, il nous cache le jeu pour. Ah, bien sûr, mais il laisse ça pour le quatrième carton. Hein. Et qu'est-ce que nous avons au niveau du banc de touche, Hamza Kashkash. L'Akhdari. L'Akhdari aussi, oui. Mastfai également. Mastfai, quatrième faute. Hosingham. Hosingham. Voilà, quand on joue bien. Voilà. Presque football académique. 65-62. C'est mis en place. Un jeu rapide. Un point de différence, ouais. 65-64. Un point de différence en faveur de l'équipe nationale algérienne. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Canal Algérie, je vous rappelle que l'Algérie affronte le Maroc aujourd'hui pour le tournoi qualificatif à l'Afrobasket. Et tout se jouera dans ce quatrième carton qui va débuter dans une minute, plus exactement. On va écouter les consignes. Les jeunes, le repli. De Salahdine Filel. Oh hey, on joue directement, on reprend. Tiger directement, fait écran. À chaque fois, on retrouve. On retrouve. Tiger directement. Deux écrans sur les deux. Oui, deux Audi Khrush directement. On va décaler. On finit, on lui fait la passe directement. D'accord. Asma, à chaque fois, il y a sur toi. Asma, prends la position. Asma, avec la position Hussein, essaye de mettre les trois points. Allez, il va faire rentrer Hussein. Il leur a dit de faire pour faire sortir l'extérieur, soit Hussein pour un shoot. Et aussi un autre pic pour Harrat pour qu'il va jouer poste bas. Alors, vous connaissez tous les joueurs de l'équipe nationale algérienne. Une petite question. Tiger, le tigre, c'est qui? C'est un mot de passe ou bien voilà, c'est ça. C'est un code que coach a mis pour un système, pour des pics, pour faire sortir un extérieur. C'est un système de jeu spécial, coach Filali. Voilà, coach Filali, espérant que... Il va nous offrir aujourd'hui une belle victoire. Voilà. Quatrième et dernier carton qui a débuté. Et la balle est algérienne pour le moment. Mohamed Zerouali qui tente le dribble. L'écran placé par Touati Seddik. Mohamed Zerouali. Et il rate ce panier. Et la récupération rapidement. Heureusement qu'il y avait le retour de Mohamed Zerouali. Applaudi par le public. Faisal Sahraoui à la distribution. Il va pénétrer Faisal Sahraoui. Et il inscrit un très joli panier.
Il faut qu'il joue comme ça là. Ils mettent les paniers là. Les pénétrations sont faciles et les mettre. Il faut qu'il continue à faire ça. Oh, il avait demandé qu'on lui ouvre voilà. un petit peu le chemin. Se faufiler. Zuita. Qui en est lui également à sa quatrième faute normalement. Zuita. Là, une faute d'El Masbahi. Tensionnelle sur Zarwali. Mohamed Zarwali. Mais la sportivité entre Sahraoui et El Masbahi. Deux joueurs chevronnés de cette équipe. Des deux équipes. Merci. Merci Lies pour les statistiques. Alors concernant les statistiques du troisième carton avec vous. Donc Monsieur Berish. Alors pour Harrat, il est à 22 points. On a baissé le rythme au troisième carton là. C'est surtout voilà. les Marocains qui sont revenus. Voilà Touati Saddiq. Peut-être ce il se bat Mohamed Harrat. Et malheureusement pour lui. Ah là là là, qu'est-ce qu'il y avait de la part du joueur Kurdo. On avait une faute de Mohamed Harrat sur Kurdo. On va voir, il a laissé sa main traîner. Oui, oui. C'est vite rentré dans l'or. C'est sa deuxième faute. Alors nous avons deux joueurs qui ont commis... Double faute, voilà. Voilà, double faute. Et la possession, elle est pour les Marocains. Et pour les Marocains. Avec Khelfi qui tente de pénétrer. Il met sur Kurdo. Et la faute de qui? La faute de Touati. Non, non. Heureusement, ce n'est pas lui. C'est Harrat apparemment. C'est Zerwali. C'est Zerwali, c'est le 8. Zerwali. C'est le 8, c'est Zerwali. Là, il y a une mauvaise défense. Là. Pas une mauvaise défense, une mauvaise aide. De l'autre côté, on est loin. L'aide, elle est loin. Il y a Kurdo qui est tout seul sur l'axe panier-panier. La troisième faute de Zerwali. Zerwali donne l'occasion aux Marocains de réduire l'écart. Heureusement que Kurdo rate ce premier lancer franc. Ça va vraiment se jouer sur un détail aujourd'hui. Ah, c'est des détails. Là, ça va jouer sur des petits détails. Et le 65e point, deux points de différence. La balle est algérienne. Hossein Gaham. Touati Saddiq. Faisal Sahraoui, Mohamed Harrat, on revient sur Zerwali, la fin de shoot, le shoot cette fois-ci, de 3 points, et c'est raté de la part. Hossein Gaham, il y avait la faute de Mohamed Harrat, ou c'est plutôt le contraire, c'était le joueur marocain. C'est le contraire, c'est le 9 marocain, oui. C'est le 9 marocain, donc il y avait. Ça, c'est un système qui a été mis en place, c'est ça le Tiger, pour faire sortir Harrat en poste bas, jouer le 1 contre 1, dos au cerceau. Faut pas vendre, très bien. Faut pas vendre la mèche le match est suivi au Maroc. Et surtout que. Non, mais il y aura d'autres systèmes à faire, c'est pas ça. Il y aura qu'on aura besoin de notre tigre. Dans la manche retour, on va changer certainement. C'était juste pour plaisanter. Rebond. Un excellent rebond de la part de Mohamed Harrat. On calme le jeu. Très bien. Calme le jeu. Très bien. Faut pas se précipiter. Il reste plus de 7 minutes à jouer. Dans ce beau duel qui promet 69 pour l'Algérie, 65 pour le Maroc. Mauvaise passe de la part de Mohamed Touati. Il a failli commettre sa cinquième faute également. Faute de Hossein Gaham. Hossein Gaham, c'est ça. Deuxième faute. Deuxième faute pour Hossein Gaham. Il a fait une bonne faute. C'était un petit peu pour freiner l'élan des Marocains. Voilà. Et là, ça glisse, un peu de sueur. Ouais. Faut essuyer. El Masbahi, rapidement joué. Et le retour de Hached sur le parquet. Le shoot à 3 points. Et ça ne passe pas. Touati Saddiq qui récupère, il met sur son distributeur. Faisal Sahraoui qui avance progressivement. Attention, il ne faut pas perdre cette balle. Le shoot à 2 points. Très bien. Et c'est dedans de la part de Touati Saddiq. Il est pratiquement c'est du 100% là, c'est sa place, à l'intérieur là. De la raquette.
C'est sa place, vous l'avez dit. Ouais. Attention, Mesbahi, il ne faut pas laisser passer. Il faut le contrer. Il n'y avait pas très faute. Bien. Très bien protégé et récupéré par la défense algérienne. Attention, le shoot, c'est peut-être sur cette action. Et on revient en arrière. Faisal Sahraoui à la distribution. Il met sur Zarwali. Zarwali encore une fois, Sahraoui. Sahraoui, il pénètre, le shoot en suspension. Malheureusement, personne à la récupération et ça donnera une contre-attaque pour le Maroc. Faute. Et la faute de Faisal Sahraoui. Une bonne faute aussi parce que... Et l'expression du visage de Tofik Chabani. Ouais. Qui attend avec impatience une fin heureuse pour l'équipe algérienne. Et un temps mort. L'Algérie qui mène face au Maroc par 6 points de différence. Ce n'est pas beaucoup en basketball. Et Mesbahi qui se place bien, qui arrive à obtenir 2 lancers francs. Sa quatrième faute, Zerouali. C'est le 8. Bah, il faut qu'il passe. Zerouali qui commet la faute. C'est sa quatrième. Alors que Mesbahi s'était adossé carrément sur lui. Oui, parce qu'il a ouvert trop la ligne. Il fallait bien orienter. Il le rate. Mais il faut bien défendre les duels. Et en contre-vain, il faut bien les jouer. Si on arrive à les arrêter, le match, c'est nous qu'on va gagner. Et dans ce type de match... On dit souvent que c'est le match du public. Ah oui, ah oui. Il va commencer certainement à donner de la voix pour encourager l'équipe nationale algérienne en prévision d'une belle victoire, Inch'Allah. Inch'Allah, espérons. Hossein Gaham, Zarwali, Faisal Sahraoui. Hossein Gaham, le shoot à 3 points. Et il n'y avait pas récupération. Contre-attaque pour le Maroc. Adel. Et on rate. Et faute offensive. Reprise de dribble et faute offensive en même temps. En faveur de l'équipe nationale algérienne. Oui, heureusement qu'il a bien défendu là. Et si vous avez remarqué, M. Berrich, Mohamed Harat, depuis un moment, n'a pas beaucoup inscrit de points. Il est surveillé comme du lait sur le feu. Oui, on met 2 joueurs sur lui. Dès qu'il a la balle, on met 2 joueurs sur lui. Et défense côté passe, on conteste, le plus loin on le laisse. Le plus important c'est qu'on stoppe Harat. Et dans ce genre de situation, il faut se faire oublier et revenir de temps en temps faire des pics. C'est ça, oui, c'est ça. Là, un faute. Un faute sur Sahraoui. On a de longues gestions également. Il faut qu'il mette les lancers là, il faut qu'il les mette. Hein. Et plus d'éclairage à la salle Harsha. Il y a un changement, Zuita qui remplace le numéro 5, Reda Choua. Ah, là, c'est l'expérience qui parle carrément. Il faut maintenir l'avance et profiter de ses lancers francs. Il ne faut pas rater. Il faut se concentrer et les mettre dedans. Comme cette fois-ci. Le 72e point pour l'équipe nationale algérienne. Attention, Mesbahi, le virevoltant. Ouais. Et on se bat comme on peut pour défendre sa raquette. Et Zuita qui arrive à trouver une brèche pour placer le 68e point. La balle est algérienne pour le moment. Mohamed Zarwali tente le dribble. C'est le moment de réagir et faire sortir le grand jeu. Et qu'est-ce qu'il fait là? Et qu'est-ce qu'il nous fait face à l'un des meilleurs joueurs africains, Hached? Le dribble. Allez. Oh, il ne manquait qu'un panier. Là, il y a une faute de Harat, je crois. Ouais, au rebond. Ouais, et il a deux lancers. Dommage. C'est le match des lancers francs maintenant. Hein. C'est carrément. Et pour le moment, ce sont les Marocains qui ont la réussite de leur côté au niveau des lancers francs. Oui. Puisque, comme vous venez de le voir il y a un instant, Sahraoui n'a réussi qu'un seul lancer sur les 2. Il avait à tirer. Et ça, c'est Adel Maksoud qui arrive à inscrire. Je vous le disais donc, les Marocains ont la réussite à ce niveau. Et
et l'écart est réduit à 9. Heureusement, il rate le second. Récupération de la barre de la part de Hossein Gaham. Hossein Gaham, ça glisse. Il y avait, ça glisse. C'est la troisième fois qu'il glisse Mohamed Harrat. Il va falloir faire attention et ne pas recevoir des blessures. Comme on dit dans le jeu, on dit dans le jargon, c'est la gestion du money time. Ah oui. Là, il faut qu'on soit calme, concentré, jouer notre basket, l'effet de possession. Et comme a précisé le coach, il ne faut pas oublier le repli. Là, il nous marque des paniers faciles. Leur première intention, c'est le cerceau, les Marocains. Hein. C'est d'attaquer vite. La tentative du shoot à 3 points, ça ne passe pas. Ça ne passe pas et c'est vite récupéré par Hached. Khelfi Zuita. Hached qui revient, il pénètre. Il se fait contrer par Touati Sadir et le public qui suit l'action. Attention, intelligemment, il faut gérer. Voilà, Mohamed Zerouali. Le dribble, il faut se réveiller. Il faut mettre le paquet. Ça le passe et c'est dedans. Très bien. Au moment opportun, comme il a l'habitude de le faire. Hossein Gaham, l'équipe algérienne est à 75 points. Il faut gérer cette avance. Ah oui, il faut faire un arrêt en défense. Il ne reste que 3 minutes 53. Il ne faut pas laisser les joueurs marocains shooter. Très bonne récupération de Hossein Gaham. Il faut maintenir le dribble. Attention, derrière toi. Zerouali, Hossein Gaham. Faisal Sahraoui. Mohamed Harrat. Attention, les mauvaises passes. Touati Sadiq. Touati Sadiq. Ouais. Faut pas attention, Touati Sadiq, il faut pas rater ces occasions. Car en face, il y a des joueurs très rapides. Regardez le rebond. Voilà. Et Zuita, il en profite. C'est normal. Ah, il va falloir bien gérer. L'écart n'est qu'à 4 points de différence. Ce n'est pas beaucoup. 2 minutes 57. Faisal Sahraoui et la faute de Khelfi sur Sahraoui. Espérons qu'il va les mettre les deux lancers. Hein. Ah, il faut en profiter. Temps mort. Oui, bien sûr. Là, il y a un temps mort normalement de notre coach. Non, c'est le deuxième temps mort. Les anciens joueurs de l'équipe nationale algérienne. Ça fait plaisir de les voir. Faisal Barca qui vit au Canada, à Montréal. Ah, il a beaucoup fait dans cette salle Harsha. Et le jeu reprend pour les 3 dernières minutes. Moins de 3 minutes à jouer. 2 lancers francs. Le premier, ça passe et c'est dedans. Très bien. Excellemment joué de la part de Faisal Sahraoui. Le second, il va certainement le mettre dedans et ça ne passe pas, malheureusement. Et la faute, ou plutôt la balle sera marocaine, comme a dit l'arbitre, le second arbitre de cette rencontre, le Tunisien, Tarek Beltaïfa. Il faut bien défendre maintenant, il faut bien défendre. 5 points de différence. Ah, le tigre algérien. C'est le code aujourd'hui de cette équipe nationale. Serre, là, c'est très bien. Voilà, l'individuel. Voilà, encore serre. Il ne faut pas laisser shooter. Ah, très bien défendu, Mohamed Harrat. Non, attention. Ça glisse, ça glisse. Attention, 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 attention. Ah, espérance en grande gravité pour Adel Maksoud qui avait mis le pied sur le joueur algérien Hossein Gaham. Là, on mène au score. Il fallait la garder cette balle-là. On a bien défendu. Il fallait pas faire une passe, une contre-attaque. Il fallait vraiment gérer. Voilà, comme on dit, nous, il faut pas prendre des risques comme ça. On mène au score, on gère ça, on joue les fins de possession. Ah, il a là, changement apparemment, il a du mal. Il s'est fait mal en tombant sur le coude. Et c'est Cordo qui va rentrer pour ces deux dernières minutes.
Et là, les joueurs, l'équipe marocaine a perdu un spécialiste des shoots à 3 points. Adel Maksoud sur cette action. Zerwali, il est sur le terrain, c'est sa quatrième faute. Il laisse terminer sa cinquième faute. Je vois que Hamza il s'échauffe derrière. La balle est marocaine pour le moment. Najah sur Khalfi. Là il faut l'arrêter. Kourdou, il faut l'arrêter. Faute offensive là. Attention. Ah, l'arbitre n'a pas branché. Attention. Et il se bat Touati Siddiq. Oula, il reçoit un coup. Un coup de coude du numéro. Au niveau de sa bouche. Voilà. Ah, même s'il commet sa cinquième faute, là, c'est pas. Comment dire, la ralep. Il aura tout fait. Attention, Khalfi, il ne faut pas laisser shooter. Il ne faut pas laisser shooter. Azuita, il y avait un marché. Voilà, ils ont rebond. Ah, les Marocains qui sont. On n'est pas concentré. Attention, qu'est-ce qu'il y avait comme faute. L'arbitre arrête la partie. La faute de Touati, je sais dire, je crois. Est-ce qu'il y avait faute? La faute du 14. Hop. Quel 14? Le 14, donc le joueur marocain. Il n'y a pas de 14 algérien. Il n'y a pas de 14 algérien. Il y a le 15 ou le 12. À qui l'arbitre a donné la faute? Je vois sur le tableau, c'est pour le 14. Ils l'ont enlevé. Petite mésentente entre l'arbitre et la table. Attention, il ne faut pas laisser shooter. Attention, Masbahi, surtout lui. Il ne faut pas laisser shooter. Dedans. Ah, il arrive à inscrire un panier étouffé. Il faut qu'on augmente. Et un shoot à 3 points. 2 points de différence. Il faut qu'on augmente l'intensité en défense. Il faut bien défendre. Surtout physique, contact, il faut y aller. Ah, les cardiaques doivent s'abstenir. Harrat, très bien. Harrat. 2 points de différence, 1 minute 24. Et il y aura certainement beaucoup de temps mort en cette fin de partie de part et d'autre. Mohamed Harrat pour les deux lancers francs. Il faut les mettre, il est gêné. Normalement, c'est une faute tactique de la part du joueur marocain. Ouais, c'est une faute technique là. Il n'a pas le droit faute de faire ça. Plutôt. Il n'a pas le droit de parler même. Essaye de le déconcentrer. Voilà. Mais rien ne déconcentre Mohamed Harrat. Tigre. Qui est en train de labourer carrément. Et il porte bien son nom d'ailleurs. Il est en train de labourer la raquette. Bonne défense. Très bonne défense, malheureusement. Continuez la balle échappe aux mains du joueur Hossein Gaham. 1 minute subi. 14. La balle est marocaine. Zuita. Ouais, le chemin. Là. Les arbitres ne sont pas. Dans de mauvaises conditions, il arrive à inscrire un panier. Mais il y a des fautes offensives qui ne signent pas. Il travaille avec le coach. C'est une faute technique. Le règlement, le dernier règlement. Le coach, c'est technique. 78-76. Il faut gagner ce match, surtout chez nous à la salle Harsha. Il reste pas beaucoup de temps. Il surveille. Il faut la jouer. Harrat. Attention, il ne faut surtout pas perdre cette balle. Voilà, et deux lancers francs. Deux autres lancers francs pour Mohamed Harrat. C'est vraiment difficile pour les deux parties. 45 secondes. Vraiment du mal à imaginer qu'il va gagner ce match. Il faut qu'on fait un arrêt en défense. Le premier lancer franc. Très bien joué de la part de Mohamed Harrat. Il faut en profiter. Car juste après, il y aura certainement des tentatives de shoot à 3 points de la part des Marocains. Excellent! Bravo Mohamed Harrat! 80-76.
Il faut assurer une bonne défense maintenant. On a changé en défense. Attention, il ne faut pas laisser le shoot à 3 points. Zerwalek qui défend sur Jouita. Il faut bien défendre. Attention, attention, il va shooter. Et il ne faut pas laisser, il faut bien récupérer. Très bien, attention. Très bien. Ah là, il faut bien garder, maintenir le dribble. Surtout, il faut faire sortir la balle. Allez, 20 secondes, les 20 dernières secondes. Excellent, Zerwali. Excellent. Qu'est-ce qu'il nous fait, Zerwali, avec 4 fautes? Il arrive à obliger El Mesbahi de commettre une faute et une possession de balle. Voilà, il faut les mettre ces deux lancers. Il faut les mettre ces deux lancers. Il reste encore du temps. Et le public qui donne de la voix. Il reste encore du temps et on connaît les Marocains. Ils leur tirent à 3 points. Et je vous avais dit qu'il allait venir le public pour remplir cette salle. On avait besoin de ça. Là, on est mieux concentré. On défend mieux, on est agressif en défense. Il faut faire des arrêts pareils. 20 secondes, tout peut arriver. Il faut donc profiter des lancers francs. 80-76. Oui. Il ne faut pas jeter n'importe comment les lancers francs. Allez, Mohamed Zerwali. Il oblige les Marocains. 81e. Thomas. Thomas demandé par les Marocains. Et normalement, c'est son dernier Thomas. Suspense interminable dans ce match. Il faut faire un arrêt là ou il faut. Toi, tu sais dire. On se calme. C'est ce qui reste maintenant. Sur les écrans, parlez. Parlez sur les écrans. Stop. On a la taille. Tout le monde peut switcher. D'accord. Après. Il reste une possession. S'il y a faute, ils vont faire zone 13 directement. Les joueurs, ils veulent ce match. Voilà. Et même les remplaçants, ceux qui n'ont pas joué aujourd'hui, tous comme un seul homme pour remporter cette première manche ici en Algérie, à la salle Harcha même, et devant un public en or qui est tous debout. Pour les 20 dernières secondes de ce beau duel qui a tenu ses promesses. Je suis déjà dans la manche retour, moi. Bien sûr. Et là, on a entendu notre coach qui a dit aux joueurs de faire des suites, des changements de partenaires. Là, il a dit qu'on a la taille, tous la maille taille. Et je crois qu'il a demandé un temps mort. S'ils vont marquer, on va prendre attention, un temps mort. Hachad, l'expérience. Attention, le shoot à 3 points de Nedja. Et ça ne passe pas, récupéré par Hachad. Et le 2 points. Très bien. Heureusement. Les 9 dernières secondes. La balle est toujours marocaine. Certainement, il y aura un temps mort. Il a dit s'il marque. Voilà, pas de temps mort. Il a dit s'il marque. De la part gestion intelligente. Très bien. Voilà, très bien. Une bonne gestion. Il a demandé s'il marque, donne-moi un temps mort. S'il marque pas, non. Allez les jeunes. Ils sont bien défendus. Bien... Oula ! Qu'est-ce qu'il nous fait Zouita là ? Plutôt Nedjah. Ah là, il y aura certainement un autre temps mort de la part des Marocains. Mais quel match en force de la part du géant Nedjah. Ah ! Il y avait même deux joueurs pour le contrer. C'est Zouita finalement. Zouita. De Salé. Heureusement qu'il y avait faute pour. Cinquième faute d'équipe. Oui, c'est les lancers maintenant. Les lancers pour les deux équipes, c'est les lancers. Et qui est sorti du côté marocain? Il a fait rentrer la taille pour le rebond. C'est le numéro 8 qui quitte le parquet. Les 5 dernières secondes, il faut en profiter. Le premier, il le rate le premier, il ne faut pas rater. 3 points de différence. Hossein Gaham, il rate le deuxième, attention, sinon on va s'en mordre les doigts dans la manche retour. 78, 3 dernières secondes, la balle est marocaine, il faut empêcher le shoot à 3 points. Voilà, c'est ça, c'est le plus important, ça, c'est l'arrêt, il faut sans faute. C'est la cinquième faute de Mohamed Zerwali. Voilà. Ah, les Marocains sont en train de chercher les prolongations. Oui. Une
seconde et 6 centièmes. Tenez-vous bien, chers amis téléspectateurs. C'est ce qui fait le charme c'est du basketball. Il va devant tout terrain là. Un pressing tout terrain. Al-Masbahi. Ah oui, il ne rate pas lui. Ce genre d'occasion. Beaucoup d'expérience. Ils vont prendre des risques. Ils vont attaquer à deux. Là, ils vont attaquer sur le porteur à deux. Il faut faire très attention. Et il y aura certainement un shoot de loin. C'est le goal average là. Ah, c'est le goal average. Voilà. Un seul point de différence. Temps mort. À la demande de Salah Din Filali. Comme ça, il va faire monter la balle. Comme le règlement le stipule. Voilà. C'est plutôt à la demande de... Non, c'est le coach, notre coach. Normalement, c'est bon, c'est la fini. Zidela. Hakim est là. Notamment, c'est Filali qui l'a demandé. Souviens. Et là, pas de relâche. Femme-là. Tu es là. D'accord. Najah. Ici, hein. Mais comme ça, il ne faut pas laisser les passes, il doit voir. Et là, il y a Hakim. Tu te mets comme ça, hein. هنا واحد جوج ثلاثة أربعة عندنا شكون باقي زكريا زكريا تو تومي لا سيل فول جوي ترانسفيرسال داكوغ اون سومي اون زون كوم سا Il a de l'espoir, le coach marocain, il veut... Ah, ils vont tenter les Marocains, les shoots à trois points. Oui. Et le compte à rebours, une seule seconde et la balle est algérienne. Il va falloir bien gérer. Voilà, c'est bon. Et c'est fini, l'équipe nationale algérienne a gagné la manche. Allez, ici à la salle Harcha même.